Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Cela me fait plaisir aujourd'hui de vous retrouver pour vous montrer comment réaliser, comment pocher les citrons. Vous allez voir, c'est très simple. Il suffit de prendre de l'eau, du sucre et les citrons. Je vous mettrai le détail des ingrédients dans la vidéo. Et maintenant, on se retrouve tout de suite pour la recette. En premier, on coupe les citrons en 8. On enlève le suprême. D'un côté, j'ai mes écorces citron. D'un autre côté, j'ai les suprêmes citron que vous mettez de côté pour une prochaine recette. Dans la casserole, j'ai versé 1 litre d'eau. Et on va les faire bouillir 3 fois. J'ai mis 1 litre d'eau dans la casserole. Et on va démarrer à froid jusqu'à ébullition. Quand vous arrivez à ébullition, laissez bouillir 1 minute. Voilà, maintenant on éteint. Et on va rincer à l'eau froide. On remet de l'eau froide dans la casserole. J'ai rincé mes écorces de citron. Et on refait bouillir une nouvelle fois. Vous devez répéter cette opération 3 fois. Ceci la deuxième fois. J'ai remis de l'eau froide pour la troisième fois. Voilà, je l'ai fait 3 fois, on arrête, on rince. Dans une autre casserole, j'ai rajouté 500 ml d'eau et 250 g de sucre. Et on va faire chauffer à 103 degrés. On arrête et on laisse refroidir tout doucement à 65 degrés. Voilà, on a atteint 65 degrés. On va ajouter nos écorces de citron dans le sirop. Et on va faire mijoter pendant 2 heures à feu très très doux. On se retrouve un peu plus tard. Après 2 heures de cuisson à feu très doux, nos citrons sont pochés. Maintenant, on va les mettre dans un bocal. Hop.
Voilà. Regardez. Une fois terminé, ensuite vous faites chauffer votre sirop à 103 degrés, vous versez. Et voilà, notre citron poché est terminé. Alors, vous le placez au réfrigérateur et ça se conserve 3 mois.